Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la nouvel épisode de Fallout 4. Donc on reprend, chers amis. Hop, là où nous en étions la dernière fois, Diamond City. Donc, robot domestique créé par General Atomics International. Mr. Andy est équipé d'outils pouvant servir d'arme en cas de besoin. Effectivement, celui-là, c'est pas Mr. Andy, c'est l'autre, c'est la version de l'armée. Vu la couleur qui se tape, je ne pense pas me tromper. J'ai rajouté quelques mods, chers amis, à nouveau. Par exemple, ce mod-là. Je trouve que le Pip-Boy est beaucoup plus beau comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec mon avis personnel, mais enfin bon, hop. Ce mode-ci, il y en a d'autres aussi que vous pourrez voir. Donc vous voyez, il y a une espèce d'effet de verre. Je trouve ça très intéressant. Alors comme ça, c'est Crocker qui a tué Earl Sterling. Et c'est vous qui l'avez découvert? Vous essayez de nous faire une mauvaise publicité, c'est ça? Non, non, je dis que la vérité, moi. Vous pouvez faire le game, mais... Donc. Silver Shroud, pourquoi pas. Ok. Ah oui, Silver Shroud. Bah écoutez, on va peut-être aller faire... quoique non, on va peut-être faire un petit peu de quête principale. On va aller voir Piper. Un diagnostic. Pouf, merci. J'ai raté quelque chose. Elle est ici. Ah, public occurrence. Occurrences, pardon. Faut que j'arrive à le faire. À y penser. Alors. Yo. Je prends tes thunes, hein. Et ton scotch. Ah, tu me regardais. Nikki Valentine qui me rend visite. Quelle surprise. Salut, Piper. Tu sais bien que toi et moi, on peut pas se passer l'un de l'autre. Il suffit d'un peu de malchance et voilà. Moi aussi, je suis contente de te voir. Alors ? Vous allez enfin me laisser participer à votre petite enquête? Dites-moi tout. Par où commencer? Quelqu'un va payer. Quelqu'un va payer. J'ai enlevé mon fils et l'a donné à l'Institut. J'ai bien l'intention de les trouver. Et de les faire payer. L'Institut? Oula. Ça fait plus d'un an que j'enquête sur l'Institut. C'est le croque-mitaine du Commonwealth, craint et détesté par tout le monde. Oui, j'ai bien compris. Tout à fait ça. Ça lui arrive d'enlever des gens en pleine nuit, ou bien de jeter de vieux synthétiques à la décharge pour nous rappeler qu'il existe. Salope. Il y a une chose que personne n'a jamais découvert. Comment elle parle mal de toi, Nick. Où se trouve l'Institut? Ou comment y accéder? C'est ouais, ça. Ouais. Mais il y a bien quelqu'un qui doit le savoir, pas vrai? Le type qui leur a amené Sean, par exemple. Kellogg. Huh. On va avoir un ou deux problèmes de côté de Kellogg. Il est mort. De toute façon, ça ne fait aucune différence, vu qu'il est mort. Ouais. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il se laisserait pas faire. Donc, un meurtrier kidnappeur se fait éclater la cervelle par un parent vengeur. Ce serait une belle fin si on n'avait pas à résoudre le mystère le plus épais du Commonwealth. Je referais pareil. Ce qu'il savait. Si c'était à refaire, je le tuerais à nouveau, sans hésiter. Se fait éclater la cervelle. Hein? La cervelle. Valentine et Piper n'a pas aimé. Vous savez quoi? On n'a peut-être pas besoin de lui vivant, finalement. Qu'est-ce que tu racontes, Nick? T'as le joint de culasse qui a pété ou quoi? Il y a un endroit Bim à Good Neighbor qu'on appelle l'antre de la mémoire. On peut y revivre les événements du passé aussi clairement que le jour où... Ah, voilà pourquoi j'y avais pas accès. Quelqu'un peut faire causer un crâne défoncé, c'est bien le docteur Amari. Un vrai cerveau en matière de mémoire. Bonne idée. J'espère que vous ne vous trompez pas, Nick. Voyons. J'imagine qu'il va nous falloir un morceau du cerveau de Kellogg. Suffisamment de matière grise à donner à Amari pour voir si ça peut marcher. Non mais Nick, t'es pas sérieux? C'est répugnant. Ah, je trouve ça génial, moi. Dégueu, mais on n'a pas le choix. On n'a aucune piste. Le cerveau de ce mercenaire contient peut-être tous les secrets dont on a besoin. Tout à fait d'accord. J'ai déjà en quelque fait, chose. Je crois que j'ai déjà quelque chose. Kellogg avait ce truc fixé sur sa tête. Un implant cybernétique? Ouais. On a peut-être décroché le jackpot, là. Qu'on se lance dans cette histoire de cerveau ou pas, on va pas tous s'amuser à courir le pays. Alors, qui vous accompagne? Pas toi. On va aller à l'antre de la mémoire, de toute manière, pour faire les présentations avec Amari. Mais si vous voulez y aller ensemble, pas de problème. J'emmène Nick. Venez avec moi, Nick. Ok, on y va. Kenigou? Mais non! Vous en faites pas. On va le retrouver, votre gamin. Mais non! Encore un peu de temps. Pendant ce temps, Kenigou, je fais un peu de recherche. Je reste ici si vous avez besoin de moi. Je peux faire quelque chose? N'hésitez pas. Kenigou? Même les gens bien font des conneries quand ils... Lisez le journal, monsieur. Ça pourrait être la devise de Diamond.
putain. Allons-y. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Il s'est barré. Canigou ! Non ! Oh, le sac, il s'est barré. Je suis persuadé qu'il s'est barré. Viens-tu ? Où il est ? On parle à quelqu'un, c'est la touche d'action en tenant debout. Pourtant, il lui fallait poche, c'est la touche d'action en étant furtif. Chaque nouveau numéro du magazine, le chirurgien du Massachusetts, augmente légèrement les dégâts infligés aux membres des ennemis. Miam, miam. Canigou, non ! Canigou ! Il paraît que les dix... Ah ! Canigou ! Oh putain. C'est pas ça ? En groupe de pire, voilà, mais non, Canigou ! Corde comme une dinde de Noël. Putain. Putain, mais il est rapide en plus ce chien. Hey. Oh putain. Allons-y. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Ah. Ah 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 ah. Bah, on l'envoie à Sanctuary. Et moi je vous dis un instant, on va aller le récupérer parce que là ça a dû... Hop, chier dans la colle. Heureux, chers amis, alors. Hop. 7. J'ai déjà oublié, chers amis, c'est d'une violence. Un instant. Heureux, chers amis, alors. On clique bien sur le personnage, surtout. Attention, on y pense. 7. Console. Scope. Quest. Nick. Force. Ref. Into. Alias. Nick. 7. Player. Teammate 2. Et attention, normalement. Wouhou! Et on le déclic. Tu restes avec moi. Et Canigou. Aussi, parfait, cool, ça fonctionne. Alors, maintenant que ça c'est fait. Souvenir, souvenir. Vous resterez dans mon cœur. Alors, je vais juste voir où est-ce que c'est ça. Mais c'est pas loin d'un bâtiment qu'on a déjà fait. Pas loin de l'abri 114 d'ailleurs. Faudra qu'on aille voir aussi la fosse, exactement ce que c'est. Bah écoutez, on va faire ça d'abord, on va aller voir le costume. Je pense qu'il n'y en a pas pour long, il doit pas être extrêmement lourd. La supermasse, une masse équipée d'une fusée, capable d'infliger une quantité considérable de dégâts. Oui, mais elle attaque jamais. Enfin, elle attaque une fois sur... une fois toutes les 10 minutes. À peu près. Hop. Donc. On va s'y remettre. Les textures sont quand même stylées. J'ai vu un mode qui augmentait toutes les textures du jeu. Cependant, il n'est pas encore fait pour Nexus Mode Manager. Du coup, le mec, il a quand même passé plus de, je crois que plus de 60 heures ou un truc comme ça, ou plus de 600 heures à refaire toutes les textures du jeu, à remodifier toutes les textures du jeu. Ce qui est quand même assez violent, hein, faut reconnaître. Pour tout passer en 4K. Parce qu'actuellement, le jeu est en 2K partout, en fait. 14. Ah oui, c'est vraiment juste à côté. Putain. Hop, au niveau de mes armes. Oh, il est long à dégainer, je trouve. Hubris Comics. C'est où ? Oh ! Ah, fallait le voir en plus. Bonjour. Piste de récupérateur. C'est quoi ça ? Examiner. Ah, je peux pas, c'est chiant ça. Bon, maintenant on va aller lire parce que de toute façon... On a que ça à faire. Divers. Piste, c'est dans les P. Alors, où c'est que c'est coulé ? Là. Fais un tour à Hubris Comics sur Newbury Street. La boutique est au rez-de-chaussée, ça devrait être du gâteau. Dommage de gâcher. Ça devrait être du gâteau. J'aime pas cette phrase. On y va. «
On y va, mais j'aime pas la phrase. Je l'avoue. J'aime pas du tout ça. J'aurais dû m'en douter. Kenigou ! Aïe ! Bien joué, Kenigou. Aïe ! Boum! Ah, j'ai morflé. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Alors, va y avoir du monde. BD les increvables brûlés. D'accord. C'est con parce que je le sens bien cet endroit. Faut pas m'énerver. What? T'as tiré sur quoi là? Par contre, si tu pouvais te casser de mon chemin, Nick, ce serait cool. Vitrine. Avancée. Il y a une hache dedans. J'ai pas encore vu d'arme hache. Bon. Ouh, l'hache de Grognac le barbare. Elle est stylée. D'accord, intéressant. Oh, elle fait mal en plus, 49. La gueule. Oh, les increvables, lire. Il est totalement dégueulasse en attaque. Oh la vache, c'est violent ça. Il y a des douilles partout aussi. Putain, faut que je fasse gaffe à tous les trucs dans toutes les terminales du magasin. Élégant. J'y suis. Ah bah, comme ça. Non, pas de coffre-fort. Par contre, je vais ouais. Non, par contre, ce que je risque de faire, c'est déjà chercher le coffre. Vous êtes pas tous simples. Vous êtes pas à moitié chiant, hein, quand même. Hein. Par contre, peut-être que dans les commandes, il y a peut-être tous les objets qu'on peut trouver. 102 grenades chlorées dans les... D'accord. Précommande de septembre. Ok, bon. On verra bien. Débrouiller porte novice. Raté. Hop. Des fois, ça joue à quelques dixièmes de micromètre. Le coffre, j'imagine que c'est ça. Ah, il y avait quelqu'un derrière moi. Tu me laisses le temps, espèce de ghoul, de... De crocheter la serrure, s'il te plaît. Ah, elle veut pas celle-là. Et quand ça veut pas, ça veut. Ça alors. Ah, moi je m'attendais à mieux. Je l'avoue. Un instant, ça me gratouille. Bla bla bla. Oh, 5400 munitions de 38. Parce que si c'est le cas, ça m'intéresse. J'aimerais savoir ce que je peux utiliser comme arme avec du 38. Parce que bon, soyons honnêtes, Kanigouk, si t'es arrivé encore. Fusée miniature, je prends. J'ai dû regarder à peu près partout, mais c'est pas facile. Boule de bowling. Colonne vertébrale. Oh, j'ai bien envie d'utiliser la hache quand même. Hop. La hache de Grognac. Allez, viens. BD les increvables brûlés. Merde, elle est brûlée aussi. Dommage. On aurait bien eu dans les chiottes.
Même pas. Je l'ai déjà eu la note de récupérateur. Ou de récupérachieur aussi, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Pousse-toi, Nick. Comment ça me saouler celui-là. Peut-être dû prendre Piper, hein. Je sais pas où t'es. Arrête de faire du bruit, je te vois pas. On va aller voir là-haut. Yo les filles. What? Désolé les gars, c'est pas ce soir que vous nous boufferez. Ah, je vais crever. Boum! 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 Je l'ai eu. C'est surprenant que ça puisse paraître. Plus personne maintenant. Je l'ai eu. Assez incroyable. Combat armé, right leg. Ok. On fouille quand même partout, hein. C'est quoi ça? Ah. Il l'a abattu. Non? T'en chies, Nick? Et cassez-vous! Tiens, hey. Putain, restez pas devant moi. Pourquoi je me prends 6 de rad tout le temps? Ils en font plus des comme ça de nos jours. Bon, on va prendre un radaway quand même parce qu'on a pris cher. Hein. Ah, ça fait beau, le, j'aime bien le steampack, le Pip-Boy. Le petit Pip-Boy qui est vachement stylé comme ça. Qui est bien mieux d'ailleurs comme ça. Je comprends pas pourquoi il a pas été. Enfin bon. On a... Oh, on a du rat de serre, génial. Hop, porte, déverrouiller novice. Bah comme ça. Ok. Génial. Oh, c'est de la combien. Clé du bureau, bah écoutez, on va la prendre. Terminal du directeur. Ok, 10, 11, 10. Ok. Ouais. Rien de bien. Rien de bien énorme. Ça pourra peut-être plaire, les infos pourront peut-être plaire aux comment. Putain, Kenny. Mais qui est con? Ouf. Ah mais c'est toutes les... C'est les ghouls qui donnent des... Des putains de radiations. Plaque chauffante. Quelqu'un qui a tiré à l'arme à feu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh! Oh! Photo de Silver Shroud! Ouh! Il est quand même drôlement stylé. Bon, j'ai cru voir un grognac le barbare. Bah, et grognac brûlé, d'accord. Dommage. Dommage, dommage, elle est géniale cet endroit. On a dans le ventre. Eh, plus pour longtemps.
Oh, j'ai pas envie de monter. Putain, je suis sûr que je vais en louper des trucs là-dedans. Ça m'embête. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tant qu'on s'en sort. Ouais, là on va peut-être pas faire le couillon quand même. Salut Kanigou. Salut. Et de une. Bouffe la deuxième. La deuxième, j'ai dit. Bah venez, écoute. Hop. Oh. Scénario. Ouh, ça va lui plaire ça au gamin. On va le lire tout à l'heure en sortant du magasin. Et on a appris que Silver Shroud était aussi un grand psychopathe. Et qu'il était drogué. Bon, c'est pas grave. Alors, 14-10, d'accord. Nanana. Ouais, c'est que du... Vous pouvez faire pause, hein. Ne vous inquiétez pas. Je démissionne. Comme ça a le mérite d'être clair. Elle s'est barrée, la scénariste. Où est-ce que vous avez filé? C'est marrant, ils viennent pas. Venez. Hop. Boum. Ah, génial. Je vais rendre service à tout le monde. Le luminescent est derrière la truc. Oh putain. Je déteste ces bestioles. Non, pas la grenade. Oh, ça pourrait être stylé, remarque. Hop les restes de glace. Et maintenant 9. Atta. 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 Respecte mon autorité. Bon alors, on a quoi? Oh, on a un gros coffre. On a un balai. Oh, on a un balai. On a une capsule. Black Vest. La première fois que j'ai rencontré une goule sauvage, j'ai cru qu'elle m'ignorerait vu que j'avais pas de chair. Mais en fait, elle bouffe de tout. Ouais, ça m'étonne pas. Ok. Costume de grognac. Excellent. Oh, ça va me tuer ça. Ah putain. Le véritable costume de grognac. Il y a de la drogue partout. Oh. Joli. Ah, mais il a fait juste avec le laser alien. Waouh. On a tellement perdu niveau culturel, le gros, les bombes sont tombées. Le gros indice, oui, il y a un laser alien dans le jeu, cherchez-le les gens. Hop, là il y a quelque chose. Voilà. Ouais. Oui, pourquoi pas. Et le reste, ça prend trop de place.
Terminal de commande du studio. Ça pourrait être intéressant, ça. Ok, commande audio, commande vidéo, commande éclairage. Bah, écoutez, allons voir ça. Vidéo. Connexion impossible. Audio. Séquence de test. Commande d'éclairage. Non. Luminosité maximale. Voilà. On y est. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah ah! Fausse mitraillette en argent. Waouh. Et voilà. Ah putain, elle donne rien. Ah, je suis carrément vexé. Les menottes, je les prends. Ah, je me suis attendu à une vraie que j'aurais pu garder à la fin. Non, bon. Yo. Et il est même pas... Attendez, il est même pas légendaire le costume. Y'a aucun intérêt à le garder en fait, c'est ça? D'accord, y'a aucun intérêt à le garder. Génial. Bon. Ça va, tu regardes le film? Qui con. Ok. Qu'une seule marge, vous me direz, paf les. Ça c'est fait. Il n'y a plus personne dans le machin, donc. On peut. En tout cas, on a eu la hache. On a eu le costume. Le costume, je vais le mettre en sortant en plein soleil, s'il y a un peu de chance, il fait encore jour. Alors. Verdict, est-ce qu'on a un peu de chance? Attention. Alors. Et merde. Merde. Can you go trouver un ennemi? Où ça, Kanigou? Oh putain! Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Liquidez-les! Aïe! Ah, ça va chier! Je l'ai pas trouvé celle-là. Elle est morte! Qui est là? Hop! C'est fini pour complètement toi. Aveugle, c'est pas grave. Il y a encore un vertiptère. Vous êtes sympa de m'aider les mecs, mais c'est très bizarre quand même. Hein. Ok, pourquoi pas. Barre à huître. Wow, bonjour. Atelier de chimie. Apparemment, je suis en combat, il reste des gens. C'est quoi ce bordel? Tu veux vraiment que ce soit la dernière que je fais? Ah, j'ai plus du tout de balles de pistolet! C'est énorme ça. Hop là. J'ai une chier de balle pour ça. Pour ça aussi, j'en ai pas des masses là. Bon bah on va devoir utiliser d'autres armes. Ok. Bon bah on va essayer de se rentrer à... Je sais même plus où est-ce qu'il est, bonhomme en garçon en question. Ah oui, à Neighborhood. À Good Neighbor, pardon. Pourquoi j'ai envie d'appeler Neighborhood? Pourquoi j'ai envie de l'appeler voisinage? Tumblr's Today Magazine. Gorge et peine. Je
comprends pas pourquoi c'est... Enfin bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de s'asseoir quelque part, d'attendre le jour. On va mettre l'armure de Grognak quand même, merde. Hop. Hop, ça devrait être suffisant. Voilà. Alors, l'armure de Grognak. Le costume de Grognak. Ah oui, forcément avec l'armure. Ah, peut-être moyen d'en faire quelque chose. C'est vraiment le pagne et le slip. Hein. Je comprends pas qu'ils aient gardé le slip. Ils auraient dû mettre un truc différent. Bon, c'est pas extrêmement intéressant au niveau de l'armure pour autant. Alors. Ok. Mais on l'utilisera peut-être. Je suis curieux d'aller voir en fait ce que ça donne au niveau de l'armure sur un atelier d'armure en fait. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut ici pour ça. Donc on va aller voir le garçon. Le garçon, il est, bah, il est aussi là. Les deux sont ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'antre de la mémoire, chers amis. Alors. Donc techniquement, il faut qu'on ait parlé au professeur, à Marie, mais aussi à l'autre gamin. Tiens, tiens, monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Tu la connais? Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. What? Amari est en bas, bourreau des cœurs. Ah, c'est pas elle qui l'avait réparé ou un truc comme ça? Non, parce que c'est les mecs, les gens sont morts. Yo! J'ai votre costume, Kent. Et deux ou trois petits souvenirs qui devraient vous plaire. Ah, voilà enfin le costume de Silver Shroud. Il est encore plus beau que sur les affiches. Et des objets collecteurs en plus? C'est trop beau pour être vrai. Avec ça et ma mitrailleuse, tout est paré. Donnez le costume. Tenez. Après toutes ces années, Silver Shroud renaît enfin de ses cendres. Mais... Prends pas la hache. Problème. J'ai pas l'étoffe de Silver Shroud. Je pourrais être Rhett Reinhardt, ou son majordome, Jarvey Blake. Mais Silver, c'est la force incarnée. Rien ne peut l'arrêter. Croyez en vous. Ne soyez pas si modeste. Je sais qui devrait porter ce costume. Qui ça? Ça vous dirait de devenir Silver Shroud? Vous avez déjà le passé torturé et tout. La cryogénie, c'est parfait. Attends. T'avais une idée. Je trouvais ça génial. T'es une ghoul, ça me dérangeait pas. T'es un fan de comics et de BD, ça me dérangeait encore moins. Mais là, tu me demandes de jouer la de faire les choses pour toi. Alors que tu as tout ce qui, alors que je viens d'aller chercher tout ce qu'il te faut. L'argent. Je veux bien en être. Mais un petit extra ne serait pas de refus. Si vous avez vraiment besoin de ça, j'imagine que je pourrais grappiller un peu à droite et à gauche. Bon. Pourquoi pas. D'accord. Appelez-moi Silver Shroud. Youpi. Le costume et la mitrailleuse sont à vous. Vous allez patrouiller dans les rues de Good Neighbor et dès que j'entends parler d'un crime sur ma station radio, je vous le signale immédiatement. Voici. Ah, là on v'là une vraie armure. Vos cartes de visite en quelque sorte. Laissez-en une sur place chaque fois que vous rendez la justice. Comme ça, tout le monde saura que Silver Shroud est de retour. Les criminels ont du souci à se faire. Oh. Ben, j'ai bien envie d'aller faire ça, moi. Voilà, armure de Silver Sword. Voilà la vraie armure. Bon, par contre, du coup, oui, je la porte avec une armure. Mais c'est pas grave. Et est-ce que la fausse mitraillette est une vraie mitraillette ou... Mitraillette en argent, elle est là. D'accord. Intéressant, mais j'irai pas avec la fausse mitraillette. Qu'est-ce que... Blah! Kenigou? Hey! On échange les choses. Voilà. Si tu pouvais me prendre genre ça déjà, ça me ferait du bien. Ça aussi. Et ça aussi. Oh, ça fait du bien. Bon, on va aller faire ce qu'il demande. Radio. Radio de Silver Shroud. Il vient de dire Galaxy News Radio. Costume de Silver Shroud. Appel à tous les fans de Silver Shroud.
Préparez-vous à l'annonce du siècle. Pour les gamins, ça. Silver Shroud est de retour et il va faire le ménage dans cette ville. Bah, tout le monde merde sait que Wayne alors. Silver Shroud en personne. Oh non. Le bras armé de la justice va s'abattre sur lui. Pain, 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 pain. Oh. Vu les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier solitaire sort. Vu qu'il faut respecter le truc et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle pas mal, les femmes. Silver Shroud. Ça doit valoir de la thune, ça. Le mystère. On va faire un Miami, toi et moi. Tu as tué Madame Selmy. Montre-toi. On dit que tu as tué Madame Selmy. C'est vrai? Selmy? Ouais, je l'ai crevé cette truie. Son mieux aussi, oh, d'ailleurs. Mais je me suis donné du mal pour rien. Elle avait même pas 3 capsules sur elle. Parlez comme Silver Shroud. Il est temps que tu payes enfin pour tes crimes. C'est quoi ton problème? Tu veux t'en prendre quelques-unes, c'est ça? Ok, ça me qui casse. Tu me cherches, tu vas crever. Le maire. Tu veux dire qu'il n'était pas ici dans l'exercice de ses fonctions? Oh, il n'était pas ici dans l'exercice de ses fonctions, il est con. Bien au contraire. Tiens, regarde ce que contenait ta mallette. Mais ce sont des dossiers immobiliers. Il va souffrir. Elle fait zéro dégâts quand même. Hein. Elle fait absolument zéro dégâts. Bordel. Regardez ça. Vous il était censé rencontrer un... Allez, ça y est. Oh putain. Alors, monsieur le maire, j'espère que vous avez... Ça me bouffe toutes mes munitions. Qu'est-ce que... Laissez une carte de visite. La maîtresse du... Je reçois aujourd'hui un ami de l'émission, Jerry. C'est branché. On m'entend? Je peux pas la récupérer, c'est dommage. Un, deux. C'est bon, on vous entend. On est à l'antenne. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va lui arriver au gamin? Génial. Grande nouvelle. Silver Shroud a déjà rendu la justice. Oui. La mort de Madame Selmy a été vengée. Vous trimballez une tonne de matos, on dirait. Silver vous devriez Shroud vendre quelques trucs à Daisy Wayne. Avant que quelqu'un vous pique le butin. Mais il existe, ce mec. Oh, et comment? Hein? Revenons à vous, Jerry. Je vous félicite pour ce que vous avez fait à la bibliothèque. Ouais. Merci encore. Alors, vous voulez voir la marchandise, Jerry, sinon? Le gars qui deal devant chez Bobby. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Cash ou troc, c'est vous qui voyez. J'ai trouvé un nouveau marché. Les gosses, ils nagent dans les capsules. Alors que ça dope. Ah. Ils vendent des gamins. Ah oui, je reconnais que là c'est pour moi. Il veut se lancer sur le marché de la drogue, votre Silver machin? Non, il va empêcher ce criminel de sévir. AJ vend de la drogue aux enfants. Ah non, ça va. Enfin, ça va, j'ai connu pire quand même. Merde, j'ai fait annuler, c'est ça? Ah, fais chier. Bonne marchandise. Jetez un œil au rayon, est-ce que ça se mange ou pas? Il y a souvent des bonnes surprises. Hop, excuse-moi, je me suis planté, j'ai tenté d'écouter ce qu'il disait. Tous les objets sont garantis, jusqu'à ce qu'ils cassent. Ouais, bien sûr. Appelle-moi con. Je suis entièrement d'accord. Hop. Merci pour tes pixels. Ouais. Alors. Par contre, je vais prendre la mienne parce qu'elle fait pas de dégâts, celle-là. Et douleur. Yo. AJ a des amis au placé. Hey. Super, un clown. J'adore les clowns, sauf que t'es sur mon territoire et... j'aime pas trop les... Comment qu'on dit déjà? Mais la fièvre n'est pas encore. Les intrus. Les intrus. Tu souffres atrocement. Maîtresse du mystère. Non. Ça, ça va. Tu vends aux enfants. Parlez comme si. Ah, tu vends aux enfants. AJ, le dealer qui vend la drogue aux enfants. Ouais, c'est lui-même. Je suis comme qui dirait un philanthrope, tu vois. Ouais, je vois. Je vais dans l'humanitaire.
Drogue pour tous, qu'elle s'appelle, mon ONG. Jet gousseries, chewing-gum au mentats. Les gosses de Diamond City gobent ça comme des bons becs. Oh putain, je l'aime pas. Parlez comme Silver Shroud. Poison à des enfants, hein. Prépare-toi à subir la colère de Silver Shroud. Qui ça? Qui ça? Sans déconner. C'est Ken qui t'envoie. Il arrête pas de me les casser. Soit disant que c'est pas bien pour les pauvres petits enfants et tout ça. Tiens, je suis de bonne humeur. Alors je te propose un deal. 50 capsules et tu me lâches. Non. D'accord. T'as vu comment je suis fringué? Et tu dis à Ken de faire pareil, tant que tu y es. Non. Arrête de vendre ces saletés aux enfants, scélérat. Scélérat. Va te faire mettre. Feu à volonté, les gars. Ok. La voie a l'air libre. Ok. Mais je crains que même les plus grands ténors du barreau ne puissent plus rien pour nous. Vous avez raison, maîtresse du mystère. Maîtresse du mystère. Ça devrait plus beaucoup lui servir. Hop. Nous allons prouver notre voilà. Silver Shroud va faire régner la justice dans les rues de Good Neighbor. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Flash spécial. La tueuse professionnelle Kendra a été vue récemment au troisième rail. La même Kendra qui, est-il besoin de le rappeler, a fait sauter la cabane de Little Joe et tué quatre vagabonds innocents. Mince, le chargement l'a coupé. Je pensais pas que ce chargement-là le couperait. Si vous voulez voir Silver Shroud en action, gardez un œil discret sur Whitechapel Charlie. Notre super détective bon ne manquera pas de l'interroger pour savoir où trouver cette dangereuse criminelle. Bien, monsieur. J'ai pas assez de cam ou d'alcool dans le sang. Yo, Charlie. Laissez la place aux clients qui veulent. Vous ressemblez à ces glands qui posent sur les postels. C'est quoi ce déguisement? Parlez comme Silver Shroud. Je suis Silver Shroud en personne. Je cherche une canaille dénommée Kendra. Silver Shroud? Plutôt super débile si vous voulez mon avis. Attention, faut pas plaisanter avec Kendra. Les gens qui la cherchent finissent souvent dans un caniveau, une balle dans la nuque. D'ailleurs, elle est derrière vous. Oh merde. Si vous voulez seulement la voir, ça peut s'arranger. Mais va falloir payer. Kendra? Tu peux pas me donner quelques détails sur elle? Pour faire par la maison. Quand on veut jouer les assassins, faut savoir être subtil. Kendra est une tueuse. Une des meilleures. Écoutez, mes scanners analytiques me disent que vous savez vous défendre. Vous devriez garder vos capsules pour acheter une pinte. Parlez comme personne Silver Shroud. Ne peut se dresser entre Silver Shroud et la justice. La justice. Vous voulez lui faire la peau? Dans ce cas, son appart est juste au sud de Good Neighbor. Water State Apartments, que ça s'appelle. Faites gaffe au porte-flingue qu'elle traîne avec elle. C'est pas détendre. Bonne chance. Ok, tu es Kendra. Bon. Eh ben nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Plume dont vous pouvez retrouver le lien dans la barrière de la chaîne. Je vais y arriver, chers amis. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Ce n'est pas Bobby Sané qui a tué AJ et ses sbires. C'est Silver Shroud. Si vous ne me croyez pas, allez voir sa carte de visite. Le jour que vous attendiez tous est enfin venu. La fin de son dialogue. Good Neighbor ne sera plus jamais une zone de non-droit. Vous allez voir. Okay.